m'appelle Alexandre Otaro, je suis directeur général pour les fermes Un Otaro et Fils. Mon nom, c'est Anthony Palermo. Je suis cofondateur et président de Connect & Go. Je suis Marie-Josée Richer, cofondatrice de l'entreprise Prana. Je suis maintenant VP Marketing. Pour moi, repousser les frontières, c'est de penser plus loin que les frontières, d'ignorer les frontières. Aller plus loin, se pousser soi-même à se dépasser et à transformer un non en un oui. C'est vraiment de prendre ce qui est conventionnel puis d'en faire quelque chose de mieux. C'est aussi de challenger soit nos équipes, nos idées, même nos clients, pour sortir de meilleures idées, de déployer des systèmes qui sont encore plus avancés. Quand j'ai terminé mon bac à l'université, mon projet de synthèse, c'était l'établissement de serres de concombre au Québec. Le professeur en charge m'a dit qu'il n'investirait pas un dollar dans mon entreprise et que ça marcherait jamais. Aujourd'hui, je lui ai prouvé le contraire, fait que j'ai transformé un non en un oui. Chez Prana, une des façons qu'on a repoussé les frontières, on était la première entreprise au Québec à être certifiée B Corp. B Corp, en fait, certifie les compagnies pour leur implication sociale, environnementale, au niveau de leurs employés, de leur communauté. Je suis très fier, mais je vais être encore plus fier quand je vais avoir grossi encore plus mon entreprise.